Alors, on dit souvent qu'une bonne gifle permet à quiconque de retrouver ses esprits. Mais parfois, il arrive qu'elle les envoie tellement loin que même par fax, ils restent injoignables. C'est d'ailleurs l'expérience qu'a pu faire le petit Philibert. Don't put your hands on me. Put your hands on me. Il se sent tellement bizarre après cette gifle qu'il pense à démarrer une nouvelle vie. Comme vous pouvez le constater, la partie basse du corps reste stable, animé par le désir ardent d'en découdre avec son assaillant. Tandis qu'au même moment, simultanément en même temps si je puis dire, la partie haute du corps, elle, déclenche une élasticité au niveau de la colonne vertébrale. On n'a jamais vu ça. Emporté par l'élan, il enclenche même une phase de crump. Arm swing que je prépare. Pff, non. Désaccord au sein d'un seul et même corps. Le regard. Le regard vide vers son comparse de gauche qui, non mec, ne t'apportera aucune réponse. Don't put your hands on me. L'adversaire s'étant rendu rapidement compte que tu dois probablement avoir plus de poids au niveau de tes cheveux que sur tout le reste de ton corps, il ne va pas s'emmerder à discuter avec toi. Une gifle expéditive t'apprendra l'alphabet. Don't put your hands on me. T'as tout perdu, même l'héritage de tes grands-parents qui n'en avaient pas. Don't put your hands on me. Ce genre de gifle, c'est comme la puberté. Elle enclenche des changements majeurs. D'ailleurs, je ne reviendrai jamais assez sur cette main qui se glisse dans cette poche. Qu'est-ce que tu cherches dans ta poche? La vérité, le salut, quoi? Ça n'a pas de sens.